Bonjour à tous. Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui, Loubi? Des œufs. Des œufs. Mais pas n'importe lesquels. Il y a quoi? Qu'est-ce que tu connais dans les œufs? Je connais la reine des neiges. La reine des neiges. Alors, la reine des neiges. Vas-y, montre-moi, chaton. Montre-moi que je vois. Il y a une reine des neiges. Nous avons la reine des neiges. Ah, lequel que tu veux ouvrir? Oui. Celui-là, tu veux l'ouvrir? Qu'est-ce que tu crois qu'il va y avoir dedans, chaton? Fais voir, chérie. Hop. Je sais pas ce qu'il peut y avoir dedans. Mais il n'y a rien. Un puzzle, peut-être. Non, il n'y a pas un puzzle. C'est pas un puzzle. C'est pas un puzzle. Alors, qu'est-ce que tu penses que c'est, toi? Attends, je te l'ouvre un petit peu. C'est mon tissu. Vas-y. Moi, je suis pressée de regarder ce qu'il y a dedans. C'est compliqué. Hein. Tu veux que je t'aide à l'ouvrir? Essaie de faire une pression dessus. Tu fais ça, regarde. Ah, tu vois, tu as juste appuyé dessus. Puzzle, c'est quoi? Un chocolat et un biscuit. Un biscuit? Montre-moi, nous avons un petit aimant à poser sur le frigidaire. Et on va l'ouvrir maintenant, lui. Peppa Pig. On va l'ouvrir Peppa Pig. Attends, chaton. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un petit mémo. Voilà, c'est un tout petit mémo. Pour jouer. Ouais, c'est ça, avec la reine des neiges, Elsa. Et après, il y a le biscuit. Tiens, hop. Et là, tu peux trouver en haut qui s'appelle Anna. En fait, voilà, il y a des stickers, des petites figurines à mettre sur le frigidaire et des puzzles. Donc là, c'est le puzzle. Et même, là, nous avons dit la petite figurine à mettre sur le frigidaire. Oh non, même pas, c'est même pas à mettre sur le frigidaire. Hein. C'est juste une petite figurine. Et là, alors toi, là, tu crois que c'est un gâteau? Ouais. Et oui, c'est ça. Mmh. Bien sûr. Ah, ah, un petit gâteau. Au milieu, tu dois les remonter. Non, tu veux pas le manger. Donne-moi ton mémo, chaton. Mais papy. Donne-moi le mémo qu'on a dedans pour pas tout mélanger. Donne-moi ton mémo. Ouais. Mets les cartes dedans. Mets toutes tes cartes dedans, chérie. Non, c'est ton... non, mets tes cartes dedans. Mets ça. Bon, remets-le dedans pour pas mélanger Peppa Pig avec la reine des neiges. Donc là, nous avons Peppa Pig. Peppa Pig. Hop. Qu'est-ce qui peut bien se cacher à l'intérieur de Peppa Pig? T'as envie d'ouvrir? Ben oui, c'est pas maman qui va ouvrir. C'est Loubi qui ouvre. Hop. Ah ben t'as des autocollants aussi, t'avais des autocollants. Un petit bracelet, c'est pas tout. Il y a des bonbons. Des petits bonbons. Il y a cœur, lune et des étoiles. Il y a des lunes et des. Tu peux voir, montre-moi. Alors, il y a le petit. Alors, et un. D'ailleurs, je ne vais pas. C'est Olaf, ça. Et après, on va le mettre. Ah, attends. Nous avons un petit bracelet Peppa Pig. Avec des petits bonbons en forme de petites étoiles de cœur. Et de lune. Ma mère.
Müller, c'est comment? Tu la connais cette fille ou pas? Ouais. Ouais. Tu la connais pour les trois filles? Moi non, je la vois. Je ne regarde pas ça. C'est Luna, je crois, comment elle s'appelle? C'est un peu plus. Pour moi, là nous avons Soy Luna. Hop! C'est moi qui ai l'eau. Bah oui, j'attends, comme d'habitude. C'est moi. Allez! Bah dis donc, hein, t'aurais été gâtée, hein! Oh. C'est un surligneur. Ouh, ça. Et des autocollants. Et après? Bah, attends, j'avais pas montré Peppa Pig, les bracelets. Attends ma puce, 2 minutes. Ah, donc, dans Soy Luna, nous avons eu un petit surligneur et des autocollants. Voilà. Ça, ça s'appelle Cars. Cars. Alors, attends. Merci, Cars. Tu l'aimes bien, Cars, hein, je crois, toi. Louis aime beaucoup Cars. Nous avons Cars. Comme d'habitude, Loubi, c'est Loubi qui l'ouvre. C'est que maman te fait l'ouverture, tout simplement, ma chérie. Waouh, tu sais faire maintenant. C'est quoi, chaton? Attends, faut ça. C'est ton poil. Montre à maman. Et un autocollant. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, c'est quoi? Nous avons dans l'œuf. Oh oui, je vais la remettre après. Nous avons dans l'œuf de Cars des autocollants. Peppa Pig. Oui, chérie. Attends. Une gomme. Un tampon. Un tampon. Et alors ça, je sais pas trop ce que c'est. Ils ont dit que c'était quoi? Il y a pas la note. Un tampon. Ben. Un tampon de cou. Ben non. Si. Oh. Si. Ben, je sais pas, j'ai pas d'encre. Ah peut-être, oui. C'est que j'ai pas l'encre, c'est bizarre. Oui. Hmm. On va l'ouvrir. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. Attends, je referme Cars. Il y en a un autre. Faut pas que ça. Il y en a un autre. Il y a deux cartes. Attends, je remets la carte. Ah, bah c'est pas celui-là. Je me suis trompée. Alors, je remets la carte de la Reine des Neiges dedans. Hop, voilà. Allez, on ouvre un deuxième Peppa Pig. Et après, il y en a beaucoup. Et après, c'est ça et ça. Ah, bah c'est des tampons. Cette fois, c'est des tampons, c'est Peppa Pig. Regardez. Bah, essaye derrière pour voir si ça marque. Non, pas encore, pas maintenant. Bon, c'est chouette, dis donc. C'est trop, trop beau. Et après, nous avons une gomme. Attends, attends. Et deux tampons Peppa Pig. Peppa Pig. Et bien sûr, tes petits autocollants. Attends, j'attends. Après, encore un œuf de Cars. Le dernier, et après, regardez, il y a tout ça. C'est moi qui l'ouvre. Hop. Non. C'est ma chérie. Mais je ne vais pas t'ouvrir. Bah, je te l'ouvre pour t'aider. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir dans l'œuf de Cars? Les poudons.
Ah, il est dur celui-là. Un surligneur, comme Peppa Pig. C'est ça, il est prêt. Donc, nous avons trouvé dans notre deux cartes des autocollants et un petit surligneur. Maintenant, la reine des neiges. Un deuxième œuf de la reine des neiges. Regardez. Moi, je pense que c'est des tampons. Des tampons. Ah ouais, de la reine des neiges. Chouette. Il y a Anna. Et Elsa? Ouais. Il y en a, nous avons donc dans la reine des neiges. Des autocollants. Et deux petits tampons de Elsa et Anna. Eh ben ça en fait des œufs, dis donc. Hein. Maintenant nous avons un œuf des trolls. Et regardez. Mais je crois que parmi tes œufs, tu as un œuf très spécial. Il va falloir que tu trempes dans l'eau et on verra après. Ouais. C'est une surprise. Ouais. Ah bon, encore des bonbons, on va se régaler, moi. Waouh. C'est pas un tampon, chaton. Ça, tu lui mets et tu le colles sur une vitre. Oula, regarde. Tu vois? Donne mon œuf là-bas, s'il te plaît, chérie. L'autre partie, chaton. Merci. Donc, nous avons dans l'œuf de du troll une petite figurine et des petits bonbons, toujours en forme d'étoile, de lune, de cœur. Regarde. Et maintenant, nous allons ouvrir l'œuf de Mini. De Mini Mac avec Mickey, il n'est pas là. Mickey n'est pas là. Bon, Mickey n'est pas toujours là. Avec son ami, parce que son mec, il est malade. Il est malade. Mince alors. Et qu'est-ce qu'il a, Mickey? C'est rien parce qu'il s'est fait mal. Il s'est fait mal à l'école. Waouh, c'est chouette. Il y a encore un chocolat et encore un petit gâteau. Donc, voilà ce qu'il y a dans l'œuf de Mini. Il y a un petit gâteau. Viens, chacha. Et après, je vais l'ouvrir. Attends, chaton. Nous avons un petit autocollant de Mini. Attends, chaton. Tu sais ce qu'il faut faire? Tu vas faire ça après. Mm-hmm. Bah, on va voir. Attends, on va découvrir. Et un petit jeu avec une petite bille dedans. Il ne faut pas l'ouvrir, hein, parce que ça va casser. Mais non. Un petit jeu avec une petite bille. Deux minutes. Une sorte de petit labyrinthe. Après. Alors, tu veux ouvrir celui-là? On fait l'œuf en dernier. Et nous avons eu... Mini. C'est pas un œuf. Mais c'est une petite pochette de Mini. Je vous fais montrer. Il sort tout ce qu'il y a dedans. Il y a plein de petites surprises. Des autocollants. Oh, ça, non, ça rien, chacha. Nous avons une palette d'autocollants. Des petits bonbons. Oh,
un crayon à papier. Une petite sucette. Un autre paquet de bonbons. Un petit labyrinthe. Ah non. Ah non, enfin c'est ça, c'est pour un jeu avec des billes. Il y a des petits trous. Il faut arriver à mettre les petites billes dans les petits trous. Oh bon, c'est déjà pas mal là. Un petit porte-clés. Un petit livre pour faire. Eh bien, pour coller des petits éléments sur les cahiers. Et pour faire du dessin, pour faire des beaux dessins. Oh. Il y a plein de jeux en plus, c'est super génial. Après, nous avons pour faire, oh, nous avons des petits éléments pour faire des boîtes. Oh, c'est super chouette, on va pouvoir faire une belle boîte. Hein. Et puis, nous allons ouvrir l'œuf un peu spécial. C'est un œuf qu'il faut tremper dans un verre d'eau. Mets ton œuf dans l'eau pour voir naître ton caneton. Il faut attendre 24 heures pour que le caneton sorte de sa petite coquille. Donc nous allons tremper ce fameux œuf dans l'eau pendant 24 heures et normalement, il devrait demain apparaître un petit caneton. Alors, on est bon le gâteau? Ouais. C'est un peu compliqué à ouvrir. Voilà. Et voilà comment il est fait. Il a une texture assez bizarre qui se cache dans ton œuf. Nous allons le découvrir en le mettant dans l'eau. Je vais prendre un verre d'eau. Viens de moi, chérie, tu ne fais très attention. Nous allons prendre un verre d'eau. Alors, on va laisser Loubi mettre l'œuf dans le verre d'eau. Et voilà. Vas-y, mets l'œuf tout doucement dans le verre d'eau. Voilà. Il va falloir qu'on... Vas-y, encore. Ouais. Ah ouais, ouais, t'as raison. T'as raison. Encore, 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 encore. Appuie, voilà. Il faut bien qu'il s'imprègne dedans. Voilà. Et il faut le laisser. Il faudra attendre jusqu'à demain pour voir le petit caneton sortir. C'est bon le canard. Attends, montre à maman. C'est bon. Comme on peut le voir, le canard, l'œuf a craqué. Et le canard est sorti de son œuf. Et après, il a fait un beau dodo. Waouh! On va découvrir ensemble comment est le canard. Allez, vas-y, sors le canard avec son œuf. C'est un peu compliqué. Hein. Attends, je vais t'aider. Fais voir. Hop. Ah, ça coule. Ça coule les mains. Il a coulé. Il est coulé. Il ne va plus. Il ne veut pas sortir. Oh là là. Il est coulé. Ah bah dis donc, il est bien encore dans son œuf, hein. Parce qu'il veut se pousser encore. Oh là là. Oui. Attends, je vais vider l'eau, chérie. Peut-être qu'on vide dans l'eau. Voilà, on va arriver à le sortir. Allez, c'est bien. Regardez. Non, tu vas le faire. Oh là 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 là. Allez, tu me casses l'œuf. Vas-y. La colle. Ouais, un petit serviteur. Ah, il a du produit, c'est bizarre. Hum? Vas-y. Allez. Ah. On va le nettoyer. Hein. Parce que... Oui, c'est bon, tu l'as sorti de son œuf. Ouais. Fais voir. On va nettoyer. Tu le nettoies. Waouh, wow. C'est... Oh. C'est trop coulant. Bah ouais, c'est une... C'est pas ce qu'il a de dessus. Je sais pas ce qu'il a. Non, non. Je dirais que c'est de la colle. Je sais pas, c'est un produit.
peut-être je... pour le conserver peut-être. Ouais, c'est un peu de la colle, c'est... Et voilà le petit canard qui est sorti de son œuf. On va faire une autre vidéo. Quoi. On va faire une autre vidéo. Hop. Allez, vas-y. Il a une texture un peu bizarre, je sais pas. Au revoir, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci.